Good morgen, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yudit, et Vietaramo Ben Chedva, Chaya Esther, Bet Miriam, et Yitzhak Peretz Ben Fortuna, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Messer Shabbat, Perektet, Mishnah Bet. Minayin la Sfina, Sheite Ora, Sheneemar Derech Aonia, Belev Yam. Minayin la Aruga, Shei, Shisha, Shisha Tfachim, Shesorim, Betocha, Chamisha Zeronim, Arba'a, Be Arba, Ruchot Aruga, ואחד באמצע, שנאמר כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח, זרעה לא נאמר, אלא זרועיה. Depuis la fin du Perek Chet, on commence à découvrir différents psukim des prophètes, d'où on déduit des halachot assez vastes, on va un peu se promener dans tout le chas. On a évoqué dans la Mishnah précédente une histoire de... d'impureté de Avodazara, à présent on va parler d'impureté d'un bateau, après on va parler de Zraim, des Kilaim, on va expliquer, et comme ça, en fait, pendant encore deux Mishnayot, jusqu'à la fin de la Mishnah d'Alet, où on va faire ce qu'on appelle des Asmartot, une Asmarta dans la Torah, c'est une vie qu'on déduit une halakha, et on lui trouve un pasouk qui prouve, on fonde une halakha à partir d'un pasouk, même si c'était pas forcé, mais c'est le... Le pasouk laisse sous-entendre cette signification. Et on commence tout de suite. Minayin la sfina shei teora. D'où je sais qu'un bateau est pur, c'est-à-dire, si vous prenez une grande caisse, alors, selon le cas, il y a plusieurs, on va considérer la taille, on va considérer la matière. Mais en tout cas, la caisse, elle peut devenir impure. Elle est apte à recevoir, à devenir impure. D'accord? Il y a quelques conditions, ça dépend peut-être du volume, ça dépend s'il y a des roues, ça est vaste. Mais en tout cas, elle est apte à recevoir une impureté. Eh bien, la même caisse, si vous la mettez, si sa fonction elle est de voguer sur l'eau, donc en deux mots, c'est devenu un bateau, eh bien, elle ne reçoit plus d'impureté parce qu'un bateau ne devient jamais impur. Parce que la Mishnah m'enseigne, Minayin la Sfina Sheitorado, je sais qu'un bateau est pur, est toujours pur, il ne peut pas devenir impur, c'est pas quelque chose qui devient impur. Chez Neymar, comme le dit le verset, Derech Onia Belev Yam. C'est un pasouk dans Michelet, cette fois-ci, les proverbes, et qui dit Derech Onia Belev Yam. L'habitude du bateau est de voguer au cœur de la mer. Or, c'était une évidence. Et de là, j'apprends par juxtaposition qu'un bateau, il a le même statut que la mer. Et que, autant que la mer ne peut pas devenir impure, eh bien, le bateau non plus. Et on continue. Minaïn la Ruga, maintenant, on va passer dans un autre sujet, on va parler cette fois-ci de Kilaïm. Kilaïm, c'est les planter des. Végétaux en les mélangeant. Il y a un interdit dans la Torah de croiser. En fait, l'interdit de croiser des végétaux ensemble. La Mishnah me dit comme ça, Minei et. Ah non, peut-être je fais d'abord une introduction, comme ça après, on va tout faire d'un coup. Il y a tout simplement l'interdit de croiser. Alors ça implique bien évidemment de ne pas mélanger deux graines en même temps. Ça implique aussi ne pas croiser en prenant une branche et en la mettant dans le tronc d'une autre espèce. D'accord? Mais il y a aussi. Même un autre interdit de planter un à côté de l'autre. C'est-à-dire plus précisément, planter dans un champ, planter des graines différentes. Comme ça, c'est explicité dans la Torah. Lotizra karmecha kilaim. Ça veut dire que tu as un kerem, c'est un verger de vin spécialement, de raisin, et tu n'auras pas le droit, une vigne quoi, tu n'auras pas le droit au milieu de planter des graines. Parce que c'est l'interdit. C'est interdit de croiser des végétaux. Il y a différentes lois, tout ça c'est dû dans le Seder Zraim, le premier Seder, il y a une Maseret Kilaim, on parle longuement de tout ça, qu'est-ce qu'on considère comme deux espèces, et tout ça. Ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, c'est maintenant les conditions requises pour que ce soit interdit, ou plutôt on va prendre une permission très originale. Très succinctement, l'interdit de Kilaim, de croiser, il faut deux conditions. Premièrement, que les graines soient plantées assez proches, qu'elles puissent puiser des forces l'une de l'autre, mais pas seulement. Il faut qu'en plus de ça, que ça ait une allure de mélange. Quelque chose de très original, par exemple, c'est que si vous avez au milieu, je ne sais pas, on va prendre deux espèces, au milieu des vignes, de la vigne, vous voulez planter des graines, ben vous pouvez lui faire, par exemple, lui mettre même une petite barrière, donc vous avez isolé cet endroit, même si concrètement sous la terre, ça continue à puiser des forces. Mais puisque ça n'a plus l'air mélangé, parce qu'on voit bien qu'il y a la vigne d'un côté et au milieu, il y a
un autre petit, comment dire, un petit potager en plein milieu où il y a des graines, c'est distinct, donc c'est plus, il n'y a plus Kilaïm, vous avez compris? Kilaïm, c'est très original, donc il faut deux choses. Ça puise des forces sous la terre, il y a des halakhot, en général ce sera trois tefachim, ça dépendra si c'est des graines ou si c'est des arbres, mais pour les graines en général qu'on va planter, c'est les graines des légumes et tout ça, ce sera toujours trois tefachim, la yénika, ça puise des forces, et donc il faut que ça ait une allure d'être mélangé ensemble, que ce soit le tout mélangé. D'accord? Du coup, on va prendre dans notre Mishnah qu'il est possible, dans un carré de 6 tefach sur 6 tefach, ou 6 amas, comment ils l'ont pris, 6 tefach, c'est sûr qu'ils ont pris. 6 tefach sur 6 tefach, d'accord, un tefach c'est une poignée, donc 60 cm sur 60 cm, décomposez-le en 6 rangées et 6 rangées, donc ça va faire 36 cases, et bien sachez que vous avez la possibilité dans cela de planter 5 espèces sans transgresser l'interdit de Kilaïm. Commencez. Alors je suis désolé, j'avais prévu de vous faire un schéma avec un tableau, mais le problème c'est que j'ai plus de feutre, donc je vais vous le faire à l'oral. Peut-être que je vais vous rapprocher ce type de dessin, hein. Regardez dans mon livre, je le rapproche de la caméra. Voilà, vous le voyez, hop, hop. Voilà, on est en plein dedans. Vous voyez les dessins comme ça en bas? Voilà, c'est ce qui m'intéresse. C'est plus précisément celui-ci qui m'intéresse. On va expliquer en se fondant sur le Barthénois tel qu'il explique. Et il y a maintenant, le principe il est très simple. Vous allez prendre donc un carré, un petit potager de 6 tfachim sur 6 tfachim, d'accord, 60 cm sur 60 cm. Vous allez pouvoir dedans planter 5 espèces. Comment? Vous laissez les coins vides. D'accord? Les coins de 1 sur 1. Vous voyez, vous avez dérangé avec 6 cases, 1 sur 1, 1 sur 1 sur 1, il y en a 6 comme ça, donc ça fait 36. Et puis, dans les coins, les 4 coins, vous les laissez vides. Vous pouvez tout en bas vous plaquer une première rangée. Sur les côtés, une rangée. Donc ça vous fait que vous avez déjà fait 4 rangées. Même si concrètement, ça puise des forces une de l'autre. Malgré tout, il n'y a pas d'interdit de Kilaïm, parce qu'on voit bien que c'est bien distinct. Il y a une rangée ici et une rangée là-bas. On ne voit pas ici qu'il y a du croisement. D'accord? Et au milieu maintenant, alors au milieu vous ne pouvez pas planter n'importe quoi, mais si vous mettez juste au centre exactement une nouvelle graine, alors là ce ne sera plus une rangée, ce sera une petite graine, vous allez pouvoir donc planter une graine qui sera éloignée de 3 tfachim plus ou moins, parce qu'en fait il faut dire que le champ il était un petit peu plus que 6, vous allez avoir une, donc la graine qui va être éloignée de 3 tfachim de tous les côtés, qui ne va puiser de nulle part ailleurs. Il s'avère que vous avez réussi dans ce carré de 6 sur 6 à planter 5 espèces sans transgresser l'interdit de Kilaïm, d'accord? Et d'où je sais que ça c'est validé une chose pareille? Minain la aruga chez Shishat Fahim. Shishat Fahim. Je cherchais ce que c'est Fahim ou Dama, c'est marqué dans le Mishnah. Et donc d'où je sais qu'une aruga, c'est une petite parcelle, un petit potager, qui fait 6 à, sur 6 tefach, sur 6 points, donc 60 cm sur 60 cm plus ou moins. Chez Zorin, Betocha, Hamisha, Zorin. D'où je sais que je peux planter, semer 5 espèces de graines. Eh bien, qui se présentent comment? Arba, Be'arba, Ruchot, Aruga. 4 espèces dans les 4 côtés du petit potager. D'accord? Sur les 4 côtés. Donc en laissant les coins, comme je vous ai expliqué. Ve'echad, Ba'emtsa, et 1 en plein milieu. Alors d'où je sais, d'où c'est déduit, de quel pasouk? Chez Neymar, comme me dit le verset, qui ka'ares totsi tzimcha urgana zeru'ea tatzmiach. Littéralement, le pasouk, car, comme la terre fera sortir ses végétaux, son végétal, tzimcha, son végétal au singulier. Urgana est comme une guina, c'est un jardin, un verger, zeru'ea tatzmiach. 16 ra'im, elle vous fera sortir. Et ouais, elle fera sortir. Zara, sa graine, Zara, Zerachela, au singulier, l'onémar, on n'a pas parlé au singulier, mais on a parlé au pluriel. Alors, donc Zrouéa, c'est au pluriel, et donc en fait, le partenaire, il nous dit comme ça. Chenemar, qui caresse au Tzitzimcha, comme la terre fera sortir sa graine. Alors on compte. Totsi, Chad. Le fait qu'elle a dit Totsi, elle va faire fleurir, ça fait déjà 1. Tzimcha, son végétal, ça fait 1 en plus. Zrua, c'est végétaux, c'est graines, donc ça fait 2 parce que c'est au pluriel. Tatsmiar, ça fait encore, Khad, ça fait encore 5, et Khamisha,
D'accord? D'où je sais que ça mesure 6 séfarim ou 6 séfarim. C'est plus dit, d'accord? C'est plus précisé. Mais Chachamim, donc, ils savaient que quand on parle d'un petit verger ou potager plutôt, donc on parle d'un minimum de 6 séfarim sur 6 séfarim. De là, on a le remez qu'on peut planter 5 espèces dans sur une petite bande qui va nous faire 6 sur une petite d'accord, un petit carré qui va nous faire 6 séfarim sur 6 séfarim. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.